Règlement du golf vous est présenté par le Séminaire Saint-François à Saint-Augustin-de-Desmaures, réputé pour l'excellence de son programme sportif et bien sûr en golf. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre chronique sur les règlements du golf dans l'émission Le golf à son meilleur. Alors aujourd'hui, nous allons voir la règle d'obstruction. L'obstruction amovible est une obstruction à laquelle on peut faire face sur le terrain de golf, c'est-à-dire une obstruction qui peut se déplacer. Donc, on arrive ici dans une situation où ma balle se retrouve sous un banc. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Donc, je peux, sans coup de pénalité, déplacer l'obstruction. Par la suite, je prends position sur la balle et j'effectue mon coup, et le tout, bien sûr, sans coup de pénalité. Il peut arriver une autre situation qui peut peut-être sembler farfelue un petit peu, mais qui peut arriver sur le terrain également. Cette situation-là, c'est une situation où ma balle peut se retrouver sur l'obstruction amovible. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Évidemment, on ne frappera pas la balle à cet endroit. Donc, je vais tout d'abord lever ma balle. Je peux même, si je veux, la nettoyer. Par la suite, je vais enlever l'obstruction pour laisser tomber ma balle à l'endroit le plus près où elle se retrouvait. Et par la suite, je vais effectuer mon coup. Il peut y avoir d'autres types d'obstructions, une poubelle sur le terrain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'obstruction amovible est une obstruction qui est placée par l'homme, mais qui peut être déplacée. Ne manquez pas la semaine prochaine, nous allons voir le deuxième type d'obstruction, soit l'obstruction inamovible.